girls with their nails done wrong. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle activité de la semaine qui va durer encore une fois 2 semaines. C'est précisé en description, 2 semaines jusqu'à septembre. Donc il restera celle-ci, une autre activité, avant, je l'espère, reprendre un rythme normal. Voilà donc, parcours avec la Buffalo EVX. Et on rend directement dans le vif du sujet avec le point, je pense... à faire galérer du monde, même si je pense qu'au bout de 5-6 minutes vous devrez passer facilement ce premier point. Voilà cet obstacle qui je pense va faire galérer du monde et se lâcher dans les commentaires de l'activité sans prendre en compte qu'il peut y avoir un problème d'élan vu que c'est une électrique. Que des fois vous allez peut-être atterrir très loin et des fois bah, vous allez carrément louper la piste, mais ça c'est Rockstar Games et tant que ce bug ne sera pas corrigé, les activités ne seront pas vraiment un plaisir à faire. Ceci étant dit, comme d'habitude, le petit sondage qui arrivera ou qui sera déjà là dans l'onglet communauté à choisir entre le temps que vous avez mis parmi les 3 réponses possibles. Comme d'habitude, je mettrai hop, les réponses à la prochaine activité, comme tout le temps. Donc voilà. Voilà. Donc, parcours en EVX. Pas de custom pour une fois, parce que bon, les électriques, on connaît un peu la puissance et on sait qu'on peut tricher un peu n'importe où. Grâce à leur vitesse et leur accélération. Et surtout que c'est encore une HSW, mais tous les véhicules qui sortent sont en HSW, hein. C'est totalement n'importe quoi. À croire qu'il va faire passer du monde sur Next Gen, mais c'est pas vraiment près d'arriver. Hein. Ok, des P5, mais bon, j'étais online au bout d'un moment. Hein, j'étais online, on va pas y rester jusqu'à 2025. Hein. Ouais, en tout cas, au bout d'un moment, non. Hein. Où j'y resterai, mais je ferai autre chose, hein. J'arrêterai les créations. Ça suffit. Hein. Puis j'aimerais bien passer aussi sur les 300 éléments, mais bon. Il y a encore des gens qui n'ont pas de P5. Les PC n'ont toujours pas 300 éléments. Hein, Rockstar Games. Ah oui. Hein, ce serait bien d'ajouter les 300 éléments sur PC. Pour ceux qui le veuillent, vous activez une option, je ne sais pas comment. Un patch, un pack, j'en sais rien. Et c'est aux joueurs de choisir s'ils veulent 200 ou 300 éléments, ou vous mettez un avertissement comme quoi cette map 300 éléments et qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de certaines choses. Et j'ai oublié de faire ma miniature, voilà, c'est gentil, c'est beau. J'allais faire ma miniature, je m'en fiche. Hop, je vais faire ma miniature. Donc, tac. Oui, on a le temps, hein, de toute façon, vu comment je l'ai mangé le parcours, là. Voilà. Comme il y avait tiré de la photo. Hop. Ok. Donc, voilà. Donc, hormis ce premier point avec toutes ces portes, j'étais un peu abusé au niveau des portes. Le reste, bah, c'est du gâteau, hein. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que je me suis un peu lâché en commentaire sur Sosa Club, mais ça fait du bien de se défouler de temps en temps. Et j'ai l'habitude de rentrer un peu dans le tas, parce que j'aime pas me laisser faire, donc... au bout d'un moment, voilà. J'ai refait la même bêtise que dernière fois. Hop. Ok. Allez, miniature faite. On enchaîne. Bon, ici c'est un peu le bordel.
Donc il suffit de bien regarder la minimap. Par contre, qu'est-ce que c'est sombre? Oh là, c'est chiant, c'est chiant. Toujours pas réglé ce problème d'ombre, vraiment très sombre. Mais bon. Donc ouais, je le disais, c'est un peu le cirque ici. En plus de ça, sans rajouter le problème des points qui nous font spawn dans la direction du point suivant. J'ai dû... Aïe, j'ai pas respawn, c'est vrai. Je m'en suis douté. Aïe aïe aïe. J'aurais dit. Bah je l'ai mal pris de la rampe après. Hein. Ok. Donc ouais, les points qui nous font spawn dans la direction du point suivant. Ça c'est vraiment pénible. Si vous mettez un point qui vous indique devant, puis le prochain point, bah... Et par exemple de l'autre côté, bah c'est pas cool. Ça vous fait spawn à l'envers. Du coup, le temps de faire demi-tour, bah, on perd du temps, et au bout d'un moment, bah, si le passage est difficile... C'est chiant de refaire demi-tour à chaque fois. Bon, j'ai dû régler ça dans la foulée, remettre tous les points correctement. Pour régler ce problème de points, bah, faut pas prendre un point d'avant qu'on a déjà posé. Parce que je sais pas trop pourquoi il va se reset, il se met dans la position idéale par rapport au point suivant. Donc le seul moyen de contourner ça, c'est mettre les points à l'arrache. Pas trop à l'arrache non plus, mais ne pas s'utiliser d'une aide d'un point qu'on a déjà mis avant. Voilà, ça règle le souci plus ou moins. Et pour ce qui est des problèmes couleur America, bah, j'ai aussi trouvé le problème. Vous mettez une barrière bleue à chaque fois que vous posez un ensemble d'éléments juste derrière. Et elle est en test. Si vous ne testez pas tout de suite, la couleur va s'appliquer. Et dans ce cas-là, pour enlever l'élément, il reposait avec votre ensemble d'éléments au même endroit. Bah, ça va être compliqué. Et j'ai eu le cas avec la rampe, avec les obstacles, et une autre rampe pour la ligne d'arrivée. C'est chiant à tout remettre, mais bon, c'est comme ça. 15h38 sur l'activité, c'est pour ça que la météo est un peu particulière pour changer. Hop là, ça a pété. On accélère trop fort. Ça pète. Et ici, j'aurais dû mettre à la fin, là, avec tous les points, un petit mur pour forcer les gens à réapparaître afin de prendre la rampe correctement. Je pense que tout le monde est tombé là. Parce qu'il n'y avait pas assez d'élan. Pour ça qu'il y a tous ces points, c'est que vous puissiez, pardon, réapparaître sans trop de problème. Voilà, voilà. Donc on est arrivé à la fin de ce parcours, gauche ou droite pour l'arrivée. Et c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Normalement cette vidéo sortira mardi, cette semaine sera un peu moins importante au niveau des vidéos, une mardi, une samedi. J'ai besoin de repos avec le travail, avec le taf. C'est difficile, ça s'entend peut-être à ma voix, je suis épuisé. En tout cas, je vous retrouve samedi, je vous souhaite une bonne semaine, et puis à samedi, ciao ciao. We'll be right back.